Voilà, on parlera politique, bien sûr, puisqu'on fera le tour des élections municipales, deuxième tour, avec Pierre-Édouard Picor et Gilbert Vincemaille. On parlera aussi avec deux avocats qui sont sur notre plateau aujourd'hui, Maître Calvert et Maître Maritza Bernier, pour parler de l'affaire Taubira. Deuxième partie de l'émission, plus culturelle comme d'habitude, avec Gilles Anduze, président du groupe Dia Family. On parlera de musique avec Joe Kael du groupe Côte des Potentes. Et enfin, on parlera aussi de Saint-Éloi, PSE, puisqu'il y a un livre qui est sorti. Et la rédactrice, l'auteur de ce livre, Madame Couchier, est avec nous. Voilà, c'est le 67e numéro de C'est dans la presse. C'est parti tout de suite. Pierre-Edouard Picot, on fait tout de suite le point sur les élections municipales. Premier tour, des surprises, oui, quand même. Des surprises, oui, en fait, le nombre de maires élus au premier tour, c'est déjà une première surprise, mais c'est certainement parce que l'obligation d'avoir le quart des électeurs n'était plus de mise. Oui, Ceci explique cette nouvelle cela. règle, cette nouvelle règle Voilà. Qui a permis à M. Bangou d'être élu dès le Mais pas premier lui tour. seul, hein. Oui, entre autres, entre autres. Pas lui seul. Celui qui, enfin, sinon, c'était Califère à Saint-Claude, Abbé Mao Chalus, et puis Madame Carabin au moule. Sinon, bon. Ça veut dire que l'abstention n'a pas baissé. C'est pas que l'abstention n'a pas baissé, Non, c'est mais il n'a pas baissé que. vraiment. Les chiffres Je sont là. pense, non, moi, non, mais je pense que. Vous savez qu'on a voté plus en Guadeloupe qu'en France hexagonale. Oui, comme Martinique aussi. Hein? Oui. Donc, je trouve que c'est une Bonne chose. bonne participation. C'est la première chose. La deuxième chose, surtout pour le deuxième tour, je crois qu'il y a trois enjeux. Premier, c'est sur la prise des collectivités, pas des collectivités, des communautés d'agglos. Élections communautaires, oui. Oui, élections communautaires, cela dépendra des résultats de dimanche pour la communauté d'agglomération Sud-Basse-Terre. C'est vrai aussi pour la communauté d'agglomération Sud-Basse-Terre. Bon, Cap Excellence s'est réglé, je crois qu'ils ont même déjà trouvé qui est Et Chalus a président. précisé qu'il ne souhaite pas être président. Ben, je peux vous dire. Je peux vous Vos dire. confrères de Je Guadeloupe peux. première, mais enfin, Ouais. Pessman n'est pas encore là, nous comment il Mais s'appelle. je peux vous dire déjà que Éric Jalton sera président. Carrément. Oui. Oui, c'est un scoop pour. Ah oui, c'est une information que j'ai, je suis Oui. journaliste, que Ary Chalus sera premier vice-président et que Jacques Bangou sera deuxième vice-président D'accord. chargé de la mise en œuvre du tram. Donc D'accord. Du voilà. Donc tramway. c'est fait là. Oui, c'est réglé. C'est réglé. Oui. Et c'est pareil aussi pour, même enjeu, pour. La communauté, c'est pas une communauté d'agglomération, mais c'est une communauté de communes Oui. entre Saint-François, Sainte-Anne et Gosier. Et là, très vraisemblablement, il y a un GUSR, très certainement, à mon avis, Baptiste sera élu, et un élu de droite. Bon, alors on va Il sera parler de curieux ça de tout à l'heure. voir. De Je voir voudrais quand même qu'on focus un petit peu sur les élections. Alors, Basse-Terre, la semaine dernière, vous me disiez que peut-être que Atala aurait pu faire un score. Finalement, elle a été écrasée. Ah, il a été écrasé, mais Complètement. est-ce que vous avez vu les recours qui ont été tentés? Pas Non, encore, mais pas enfin, encore. moi, Enfin, bon, il y aura des recours, c'est évident. Mais enfin, la le réalité, score c'est ne que laisse pas de place qu'elle-même à l'ambiguïté, là. surtout si on se fie à la jurisprudence du Conseil d'État. Il se base sur l'écart de voix pour Oui, annuler l'écart de voix le est trop point. important, trop important. Bon. Sauf qu'il y aura. Valérius a fait une plainte au pénal. Oui. Une plainte au pénal pour trafic de faux électeurs. Ça, Ouais. c'est. Ça, J'avais entendu ça bien avant, hein, ça, c'est ça. au pénal. Ouais. Hein. On Donc, a deux avocats, on peut leur demander un Ah, bah, éclairage, bah en oui. profiter quand même. Madame Bernier, monsieur Calmer, Non, non, vous non, pouvez rester pas. muet sur ce genre de choses. Non, 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 vous ne voulez pas pas. intervenir. Justement, en tant qu'avocat, Oui. là, vous pas pour être au dossier au bas balai. Bravo à l'idée. C'est plus prudent. Maritza Bernier, pareil. Je partage l'avis de mon confrère. Oh là là. Solidaire. Le barreau est solidaire aujourd'hui sur Canal 10. Langue de Mais il bois, n'y a 2 pas milliards là. Mais il Bon. n'y a pas de tribunal, là, Ouais, de toute non, mais façon. enfin bon. La vie sur le tribunal. Vous allez nous couper ici, langue de la pression en bois. Alors, bon, alors, Basse-Terre, c'était réglé, bon, on le savait. Bimao, il n'y a pas de surprise. Moule non plus. Non.
Par contre, à Désirade, c'est un coup de tonnerre. Il est à l'eau, hein, vraiment. C'est un coup de tonnerre, on ne s'y attendait pas. Pourtant, le maire en place, à mon avis, n'a peut-être président pas... président de l'association des maires. Mérité. Ouais. Mais enfin, vous savez, c'est un tout petit microcosme, hein, Désirade. Enfin, la dernière fois, c'était une poignée. Oui, mais il suffit d'une simple, disons... altercation, ou peut-être même... Antibab familial. Ouais, en plus, c'est une histoire de famille. Hein. Oui. Bon, il suffit d'avoir deux, trois familles dans sa manche. Moi, il y a une nativité, on ne pourra pas dire ça ici. Mais ouais, vieux fort, c'est pareil. Hein. Bon, alors, le coup de tonnerre, c'est vieux habitants. Le coup de tonnerre, c'est vieux habitants. Ça vous surprend? Non, pas du tout. Moi, ça ne me surprend pas du tout. Et pour ne rien vous cacher, tout ça fait par hasard. J'ai rencontré Victorin Lurel la veille de l'élection. Il m'a dit on va perdre l'élection à vieux habitants. Donc lui-même, il savait que les choses étaient mal engagées. C'est dû à quoi ça? Parce qu'en fait, je pense que il a dit, je l'ai entendu dire que son maire, le maire n'a pas été assez proche de la population. Quand même, vieux habitants. Alors, il dit ça comme ça, c'est très. C'est dur pour Monsieur Cléry. Je trouve même que c'est assez diplomatique. Oui. Je trouve que c'est assez diplomatique. Non, il n'y a pas la même envergure que Lurel. Bon, Cléry ne joue pas dans la même cour que Lurel, c'est clair. Il n'y a pas le même impact. Lurel était 29e, hein, sur la liste. Oui, non, mais même, bon, c'est 29e, qu'est-ce qu'il peut faire? Rien du tout. Quand Chauvry dit nous déchouquer en président, en ministre, qui devait gagner moins qu'au bout d'un moins, comment vous interprétez ça? Oui, mais enfin, bon, moi, vous savez, il faut toujours trouver un argument qui convienne à la situation. Moi, j'ai entendu aussi des gens dire, Chalus a été élu avec 80%, c'est un score de président africain. On va toujours trouver quelque chose. Non, ce que je pense très sincèrement, il y en a qui ont tiré déjà des conclusions. Je pense qu'il faut attendre le deuxième tour pour savoir effectivement si le PS est en recul par rapport au GIECR. Alors, autre aspect, on va le dire comme ça, c'est la guéguerre Lurel-Gillot qui se profile derrière tous ces candidats. Et finalement, on peut dire, on le disait la semaine dernière, que le parti majoritaire, c'était le PSE, pas Parti Saint-Éloi, mais le parti des sans-étiquettes, le parti sans-étiquette. Finalement, toute étiquette a tout le monde tombé là. Apparemment, on voit tout le monde qui a étiquette à Udéo-Gogon là. Ouais. Éric Jalton m'a donné une interview dans ce numéro-là, où il dit que la situation entre le GUSR et le PS lui rappelle terriblement celle qui prévalait en 1992 et qui a fait une déchirure entre Larifla et Poto où une partie de la gauche a voté pour Mme Chevry et l'a installée au détriment de son père d'ailleurs à l'époque. Absolument, et l'a installée à la tête du conseil régional. Donc il dit la gauche joue avec le feu, donc on verra d'ici dimanche soir qui prend le pas l'un sur l'autre, à la une, vous avez Toribio, je le montre, Toribio et Sapoti. J'ai cru comprendre. Justin Sapoti, oui. Justin Sapoti, j'ai cru comprendre que ce soir, on est vendredi, Madame Chevry sera au Lamantin pour supporter. José Toribio. José Toribio, Madame Chevry, qui est annoncée comme étant de droite. Oui, mais. Alors, ça veut dire que pas ni droite et gauche. Mais que penser de l'Adrien Baron qui rejoint Yacou, donc dire. Ce que décrit Éric Jalton est déjà à l'œuvre, de toute façon. Donc, il y a des trahisons dans l'air? Ah, trahisons, je sais pas si c'est des trahisons, c'est peut-être aussi des orientations nouvelles. La ligne de démarcation n'est peut-être plus la gauche et la droite, mais autre chose, le statut peut-être, j'en sais rien. Ouais. Autre petite difficulté, c'est pour le secrétaire fédéral de la Fédération socialiste de la Guadeloupe, Monsieur Mathiasin, qui s'est fait étendre aussi. Hein. Alors, je crois que lui, il a fait quand même quelques fautes lourdes. Ouais. Pas quelques fautes. On ne donne pas
l'investiture du PS. J'ai pas dit n'importe qui, je respecte les gens. On ne donne pas l'investiture du PS à une demoiselle Chamougon qui est notre roman de droite. Ça n'a pas de sens. C'est clair. Ça n'a pas de sens. Il faut appeler un chat, et là, je pense... Il l'a refusé à Baron. Bon, donc, il a accumulé les bourdes, on va dire. Ouais, je pense qu'il a mal joué le coup. Donc, son fauteuil en jeu en ce moment. Parce que j'ai cru comprendre que Lurel reprenait même le PS. Ah, j'en sais rien. Je n'ai pas cette information-là. Ce que je sais, c'est que la gestion de cette élection municipale, de ces élections municipales, ne serait-ce qu'en la politique des investitures, à mon avis, n'a pas été très bien menée. Alors, sous RCI ce matin, j'entendais Madame Jenny Marc qui annonçait un futur départ. Elle s'en va. Elle ne l'a pas dit de façon très claire, mais enfin, je parle sous le contrôle de Maître Bernier qui est là, qui était sous la liste, on ne va pas le cacher. Il semblerait bien qu'elle soit sous le départ. Je n'ai pas cette information. Oui, c'est elle-même qui l'a dit. Hein, c'est elle-même qui a dit qu'elle est en train de transmettre. Elle est en position de transmission. Là, on dit ça, c'est que bon... La situation... Attendons de voir. Je n'ai pas l'impression que Mme Jeanne Marc ait l'intention tout de suite de se retirer de la politique. Je ne vois d'ailleurs pas pourquoi elle le ferait. Enfin, bon. Alors, on va maintenant parler de ce qui reste, ce qui va être chaud, à Bouillante, où Malo était en grande difficulté. Très grande difficulté. Ça va être très difficile parce que... C'est le retour de Choulette, en fait. Un peu. Et c'est très étonnant parce que aux dernières législatives, il n'avait pas réussi à cristalliser autour du maire de Terre de Haut pour les législatives. Donc on se disait qu'il n'avait plus tellement d'influence. Ouais. Et ces élections municipales démontrent le contraire. Il faut savoir aussi que... chez tous les candidats qui sont là, il y en a déjà qui sont proches de Cholette. Je pense à Cheikh Moudine, tout cela. Donc, Malo a... Mais Malo était seul, en fait. Il n'est pas seul. De quel soutien il a bénéficié? Pas de Lurel, en tout cas. Et pas tellement de Gilou non plus. Gilou a annoncé, mais en fait, il s'est retrouvé pratiquement non, tout moi, seul. Non, moi, je parle de soutien locaux. Les gens qui se sont présentés, ce sont des gens qui... Il y en a deux au moins qui étaient avec lui, qui se sont brouillés, donc ouais. Ça m'étonnerait qu'il revienne. Donc il est dans une situation très difficile. On dit deux mots sur Mornalo. Mornalo. Le suspense a duré jusqu'à hier après-midi. Oui, oui. Bon, enfin, on savait bien ce qui allait se passer. Je ne sais pas si on savait ce qu'il y a des avocats là. Je rappelle qu'il y a 6 ans, il y avait à peu près une affaire similaire. Oui. Nouvelle-Calédonie En Guyane, oui. Et ça s'était réglé. Et d'ailleurs, il y a 6 ans aussi, M. Lombion s'était retrouvé devant le tribunal administratif à la veille de son élection, mais c'était pour une autre affaire. Et là, du fait que Bardaï les rejoint, c'est le bon duo. Pour gagner face à Hermain. Ah, ça paraît difficile à Hermain de gagner, mais ouais. On ne sait jamais. Vous savez, déjà sur la liste... Si on dit à mon allô des malcrabes, c'est... Oui, c'est vrai, mais alors, ça paraît très facile pour Lombion, sauf qu'il y a beaucoup de gens qui étaient sur la liste de Bardaï qui ont rejoint... L'autre camp. Ouais. Parce que c'est toujours pareil... Le chef donne des indications que le reste de la troupe ne suit pas. Bon, on verra. De toute façon, dimanche, il y aura du sport. Oui, Capesterre. À Capesterre. Alors, si on compte les voix, si on fait de l'arithmétique, on peut dire que... Ramdini peut gagner, oui. Mais la politique, c'est pas de l'arithmétique. Et je pense que là, c'est... Ça va se jouer à une poignée. Quoi, c'est la bouteille à ancre. Franchement, je pourrais pas faire de pronostic. Oui. Capesterre. Vous prenez pas le risque. Non, parce que ça me semble très difficile à déterminer. Est-ce que tous les électeurs
De Courtois suivront. C'est pas sûr, c'est sans, pas sûr. C'est, le groupe Courtois est assez, on va dire, réservé sur le soutien. C'est-à-dire que c'est un soutien, mais bon. Il a affirmé officiellement. Ah non. Alors peut-être alors, que les gens. Je vais vous donner une information. J'ai fait l'interview de Mme Avril, oui. Qui est, je crois, numéro 3 ou 4 de la liste de Courtois. Je lui ai posé la question. Et c'est passé sur Canal 10. Est-ce que vous voterez Rome dîner dimanche? Il m'a dit, je ne sais pas. Oui, mais c'est possible. Mais c'est pareil que... Pas photo, hein. Mais c'est pareil que pour Bardaï. Oui. Mais ce qui est clair, c'est que le soir même, je ne sais pas, 5 minutes après les résultats, Courtois a dit, moi j'appelle à voter. Oui, je l'ai entendu, il l'a répété. Bon, Courtois. Donc c'est clair et net en ce qui le concerne. Maintenant, sur tous les membres de sa liste, ils peuvent ne pas être sous la même longueur. Donc. Oui, tout à fait. Sainte-Rose, il y a quoi en difficulté? Bah, moi, je trouve qu'il s'en tire fort bien. Ouais. Malgré tout. Malgré tout. Ce qui est sûr, c'est que l'apport de Justine ne lui a été d'aucun secours. Ça, c'est clair. Je ne sais pas. Sainte-Rose... Il faudra attendre les... Vous ne parlez pas à votre chemise? Non plus. Là, non. C'est assez ouvert. Ouais. Madame Bajazé peut gagner et le maire en place peut gagner. Vous revenez? Ça m'étonnerait quand même. Vous voyez plus Madame Bajazé? Il me semble qu'elle a le vent pour en ce moment. Les Saint-Rosiens le disent. Il reste l'autre Capesterre où le maire en place est en difficulté. Elle échappe un petit peu au couperet apparemment parce que l'alliance avec son colistier, avec l'autre colistier de l'autre côté n'a pas pu avoir lieu, mais elle n'a pas eu lieu de manière administrative, oui. Officiellement, mais bon, rien n'empêche aux gens qui ont voté. Oui, bien sûr, d'aller voter, donc le maire va être en difficulté. Bien, alors, on a fait un petit peu à peu près le tout, il reste Goyave, où Sainte-Ville n'a pas fait aussi bien qu'on croyait. Mais je dis, Sainte-Ville est bien implantée dans la population goyavienne de souche. Toutes les sections bois sec, etc. Mais dans le bout où il y a un apport nouveau de population... C'est ce qu'on disait la semaine dernière, la Nouvelle-Ville. Exactement, ouais, la Nouvelle-Ville, ces gens-là, ils n'ont pas d'imprégnation, d'implication très forte. Dans la ville de Goyave et ces gens-là lui échappent. D'ailleurs, je crois, parce que moi j'ai fait quelques conférences et j'en ai fait 2 ou 3 à Goyave, je trouvais que Sainte-Ville était très peu présent dans ces quartiers nouveaux. Oui. Ceci peut expliquer donc, cela. Donc, Louisy pourrait quand même regagner du terrain, à votre avis? Là aussi, c'est Louisy n'est pas battu. Je suis à peu près convaincu qu'il n'est pas battu. Louisy n'est pas battu. Alors, il n'est pas encore battu. Résumons-nous. Il pourrait l'être, Lamentin, mais il n'est pas encore Toribio battu. Toribio est battu, oui ou non? Encore, oui. Alors, tout le monde me dit que Toribio gagnera. Moi, je pense qu'il est... Beaucoup de Lamantinois le pense, en tout cas. Je pense qu'il est sur une pente descendante. Oui. Et je l'ai mis en tête. Hein. Je crois... Oui, je ne me suis pas... C'est pas, disons, ça n'a aucune signification. Une image a toujours un sens. Ouais, mais bon, c'est bon. Pas, c'est parce que c'est le meilleur sortant, on va dire ça comme ça. Ah, d'accord. Il n'a pas l'air. Bon, le dernier point chaud, c'est vraiment chaud, c'est Port-Louis, où Louis René, hier soir, je disais, a parlé pour Arte. Mm. Et semble-t-il, Madame Borrell sera ce soir aussi à Port-Louis, mais de l'autre côté. Pour Hubert. Hubert est sorti en tête. Madame Borrell sera pour. Oui. Elle va soutenir. Non, pas Madame Borrell. Pas Madame Borrell. Qu'est-ce que c'est Gillot. Gillot, semble-t-il, ira soutenir Hubert. Oui. Bon, c'est ce qui est tout à fait normal, puisque j'ai dit que les affrontements là se font derrière ce profil, on dirait. Mais là, arithmétiquement parlant, si on regarde bien. Tous les candidats qui étaient présents au premier tour sont anti Jean-Marie Hubert. Tous contre Hubert. Oui. Donc il aura fort à faire. On va prendre une page de pub et puis on va parler un peu de la Guyane, en espérant peut-être que notre confrère entre-temps arrivera.
Deuxième partie de ce C'est dans la presse, on a parlé d'élection avec Pierre-Édouard Picot, mais on va parler non pas d'élection, mais d'une affaire. Alors, ce qu'on peut appeler déjà l'affaire Taubira, première version. Alors, je reçois deux avocats, Maître Maritza Bernier, bonsoir. Bonsoir. Et Maître Franz Calvert, bonsoir. Vous faites partie d'un collectif avec des Guyanais, des avocats guyanais qui vont essayer de lancer en tout cas cette affaire qui avait un petit peu choqué l'opinion. Quand une partisane du Front National avait sorti sur Facebook une illustration très dégradante pour Madame Taubira. Alors, où en est-on de cette affaire? Comment vous avez repris le bébé? Alors, très, très précisément, si je dois revenir un petit peu sur les faits, vous vous souvenez que le 17 octobre 2013, tout le monde apprenait par la presse que Christiane Taubira avait fait l'objet de propos racistes et xénophobes par un membre du Front National, donc Anne-Sophie Leclerc, qui avait publié sur sa page Facebook un photomontage avec d'un côté une photo d'un singe et de l'autre la photo de Christiane Taubira, ministre de la Justice. Et elle avait repris, réitéré ses actes, puisqu'elle avait affirmé sur les médias, notamment France 2, « Je préfère la voir dans les arbres, après les branches, que dans le gouvernement. » Donc nous, ce sont des propos que nous, nègres, descendants d'esclaves, ne pouvions pas laisser passer. Et c'est dans ces conditions que le mouvement Walwari, mouvement politique guyanais qui a été fondé en 92 par Christiane Taubira, a initié un procès pénal devant le tribunal correctionnel de Cayenne. Alors, pourquoi il y a une extension en Guadeloupe? Parce que ça se passe à Cayenne d'abord. Ça, alors, nous sommes en matière d'infraction de presse. Et le lieu le tribunal compétent est lié au lieu de commission de l'infraction. C'est une infraction commise par Internet. Donc tous les lieux où... Le monde, quoi. Voilà, c'est ouais. Ça. C'est important que symboliquement nous soyons un collectif qui dépasse la Guyane, un collectif d'avocats martiniquais, guadeloupéens. Donc pour la Guadeloupe, nous sommes trois avocats, Maître Calvert, Maître Ernest Danat, qui n'a pas pu être là aujourd'hui, et moi-même, Maître Bernier. Mais c'est important parce qu'on se sent tous concernés dans notre négritude quand on est attaqué comme ça et traité de guenons et de bananes. Oui. Alors, concrètement, qu'est-ce qui va se passer? C'est-à-dire que vous avez cité Mme Leclerc, il y a une action qui est intentée réellement. Est-ce que c'est quoi? Quelle est la qualification Les faits reprochés, alors deux infractions. D'abord, une infraction d'incitation, de provocation à la violence et à la haine, puisque lorsque l'on publie de telles images, eh ben, d'autres personnes qui les voient sont tentées à avoir le même comportement. D'ailleurs, ça a été repris sur les stades. Le thème de la guenon, le thème de la banane, ils ont été repris. Il y a une autre infraction qui est constituée. C'est l'infraction d'injure raciale publique. D'accord. Puisque ces éléments-là ont été publiés. Donc ce sont deux infractions. Qui est poursuivi? Alors d'abord l'auteur des propos, mais aussi le Front National. Oui. Et donc, Franz Calvert, bon, vous êtes aussi dans l'affaire, si je puis dire, avec Maître Danet. Vous irez en Guyane. Comment ça se passe juridiquement parlant? Non, mais le tribunal là qui se situe là, c'est le tribunal correctionnel Guyane. Donc, affaire là qui passe en Guyane. Ouais. L'autre jour, donc, là. Donc, monte en bas là quand même. Oui, nous gagnons là. Ouais. Oui, nous gagnons en Guyane. L'autre jour, là, le 18, là, tenu en première audience, il voit que c'est une audience de fixation de consignation. Alors, ça nous fait là, c'est en citation directe. Ouais. C'est-à-dire que le mouvement à Taubira, là, il saisit directement le tribunal. Là. Il n'a pas porté plainte pour dire pour tirer et décider de poursuivre. Il saisit directement le tribunal. Là. Et là, on fait ce qu'il a débuté à ça. Ou peut-être qu'il vient déranger le monde, déranger le tribunal, déranger le juge. Du coup, il faut que là, je sais son temps où il y en a. Alors, il n'y a pas de question, il faut consigner l'argent. C'est pour si jamais, sans doute que je vois, sans doute que nous sommes agités, mais qu'il y a que non l'argent là pour quand même, pour l'État, rentrer en foyer en quelque sorte. Donc, c'était vendredi. Oui, c'est bon à faire qui traîne, si on est putain ça. Compte tenu, on fera de ça par rapport à ce fait. Expérience. Non, expérience, mais aussi, mon Taubira, ministre de la Justice, alors, on ne parle pas jugé parti, mais c'est parti, il y a quand même qui ouvre pas. Non, enfin là, on voyait déjà, alors que au 8 juillet, ouais. Que l'autre jour, là, le 18, oui, ouais. Qu'il consigne l'argent là. Après, le 8 juillet, nous avons discuté au fond. Ouais. Bon. Actuellement, tribulation
que ma tribu rappelle qu'à Sibi actuellement n'a pas tellement de problèmes là pour nous. Hein. Ouais. Et, vraiment, c'est que yo méprisé, y a travers les toutes nègres. Et parti à mouvement, pas Jean Caïban, Malouaoui, pas d'accord avec ça, il a saisi le juge. Et à partir de là, nous, en septembre, des avocats Guadeloupe Martin qui nous ne pas d'accord non plus, et nous avons défendu. Nous avons défendu, donc théoriquement, affaire là qui est dirait, qui est plaidé le 8 juillet. Alors, est-ce que ça a traîné sous le fond? Sous le fond déjà. Le 8 juillet, oui. Ça a été plaidé en Guyane, parce qu'il y a une Guyane. Tendance ici, il faut qu'on ait quoi dépayser. Non, non, mais... Voilà, ça a été dépayser. Non, bon, pour dire que le monde, demain, pas tard, ouais. On passe à quelqu'un qui fait demain, mais après, c'est ça qui passe en Guyane. Ouais. Et autres, alors, qui, Marisa Bernier, ou qui argumentation, Zoka, prend à si vite dans ça? Puisque incitation à la haine raciale, quand on risque le fond de ça. Parce que, on va poser une question là, parce que vous dites, on bite, mais en le clair, oui, en France, il est obligé de venir présenter un avocat, et qu'est-ce qui s'est passé techniquement? Non, mais il fait ça, il voulait. Bon, maintenant, il est venu, il est payé, il est pour un avocat, il est payé pour un avocat, il fait ça, il est nous, il fait ça, nous. Ouais. Et là, on voit, c'est un peu pour cela, ça, c'est un peu globalement qu'on possède à Ibo Simon là. Ouais. En incitation à la reine raciale et de proposer nos formes raciales, enfin, c'est un peu bon, même bien là. Bon, là, on voit, c'est des délits. Hein, si base à la loi de 1881, c'est des délits, bon, il y a condamné, il y a la geôle qui a amende, enfin, ça, c'est jeu classique donc pour ce pénal, s'il vous plaît. Mais nous-mêmes, nous ne pouvons pas amender pour l'argent. Ah, nous ne pas amender pour l'argent. Quand est la dernière page. La dernière page, là. Ouais. Donc, c'est un procès, Mme Bernier, pour la forme Non, nous, ce qu'on vient demander devant le tribunal correctionnel de Cayenne, c'est de voir dire qu'effectivement, Mme Leclerc... Oui. C'est de voir dire que Mme Leclerc a commis les infractions dont on vous a parlé et de voir condamner le Front National en qualité de coauteur et également une condamnation à 50 000 euros de dommages-intérêts. Condamnation solidaire et pour Mme Leclerc et pour le Front National. Oui. Voilà nos demandes. Alors, je pose la question, peut-être que Pico oui posé la question. Vous posez la question. Est-ce que c'est un procès politique au sens stricto sensu? Ah non, ne pas rentrer dans ce que c'est un procès politique ou son procès de droit commun. C'est tout. Quand dit son procès de type classique dans le domaine de la salle. Oui, mais quand tu as dit du fait que c'est le Front National, son parti. Ah, mais il peut politique ou quelque chose. Ouais. C'est possible. Mais ça qui est sûr, c'est vrai qu'il y a parti sur une base politique. Ouais. Parce que c'est un membre, un parti qui dit débuter contre un monde qui lui-même quand il son politique. Donc, si vous voulez, tout ça qui est lié à un cadre politique. Mais fondamentalement, il est plus loin qu'il y a de là, ça. Il y a dans la société là lui-même. C'est au monde que y a méprisé, qu'il y a tel ou tel but ici. C'est-à-dire que c'était n'importe quel monde privé consacré, dit un petit côté d'autres mondes qui vont là. C'était même bidon là, s'il vous plaît. C'est-à-dire qu'il y a un passant là, il y a un passant, il a crié Chita, il y a crié Singe, il a publié ça sur buté Facebook. C'était même pour cela. C'était un monde anonyme, qu'on soit un dégât anonyme. C'était même pour cela fondamentalement. Ouais. Même qualification juridique là. Et nous, même pour dire que nous avons une même posture juridique là vis-à-vis de ça. C'est-à-dire qu'on procès et nous avons dit que ça n'est pas sérieux, il faut condamner ça. Du point de vue techniquement parlant, je prends un petit peu de temps pour te monter vite à ça. C'était limite là, non? Non, nous t'as donné des délais. Vous t'avez donné des délais? Nous t'avons donné des délais 3 mois. De 3 mois, c'est ça? C'est le 17 octobre, oui. 17 novembre, oui. 17 décembre, 17 janvier, qui date des premières pages là. Là, ça délivre. C'est vrai. Alors, 31-11-82, non. Alors, première page là, il n'y a pas ma case, première page là. Non, c'est première page là, oui. En haut, là. En haut, citation directe du tribunal, 16 janvier. Ah, mais oui, t'es un jour près. Ouais, un jour près. Mm-hmm. Ah, ouais. Parce que, alors, je n'ai pas évoqué ça là. Maintenant, aussi, il y a une minute là, je ne peux pas aider ça. Ah, tu peux prendre un paquet d'autres butins, nous prenons ça là. C'est un peu significatif, plus signifiant. Ça, tout le monde tend et qui est meilleur de tout le monde. Ouais. C'est ça. D'accord. En question, Pierre-Edouard. Oui. Oui. Sans qu'on a remarqué, c'est que Tobira lui-même dit qu'il peut être attaqué pour nous, et puis parti à Aïk a finalement
attaqué. Voilà. Mais pour Evans Sao de Gaza, sont pour ces pénales, donc pas pour ces politiques. Hein, c'est non, oui, pénal, mais en fait, ils ont connotation, couleur, tout ça, vous voulez. Ils ont résonance politique, voilà. Mais sont pour ces pénales. Ouais. Là où on a méprisé les gens, là où on a fait des actes racistes contre les gens, la loi a prévu que ça punit. Donc voilà, c'est si base là ça. Hein. Ouais. Bon, ben, de toute façon, si on veut dire que nous avons une occasion de peut-être. Tant ça, parce que les gens, ça bâtit là, ça bâtit pour longtemps là. Hein? Ça peut faire un babou. Hein? Ça peut, oui, ou pas jamais ça. Ouais. Oui. Ça peut. Dire, ça peut déraper, mais on ne peut pas penser en fin de compte. Bon. Au départ, moi, quand on sent un type aussi relativement gentil. Ouais. Un type aussi relativement gentil. Oui, oui. nous sommes français si nous, nous sommes français si nous, ouais. Mais nous payons point. Ça qui souffre, c'est que nous payons point. Mais de point de vue judiciaire, juridique, ouais. En Kapali, hein. Ouais. Nous payons point à Meyayo. Et le 8 juillet, nous payons point à Meyayo. D'accord. Ben, nous payons point à Meyayo. Nous payons point après la 8 juillet, que vous venez ici pour dire nous résultats habitants à ça. Ben, et un petit peu étonné quand même que la presse n'a pas vraiment parlé de questions à ça. Pierre-Edouard, vous étiez au courant? Non, mais en cas de trouver que tactiquement, ça a bien fait. Ouais. Il fait ça en Guyane. Ouais. Et pas à Paris. Parce, pour une fois, c'est le choix du lieu a été. Non, mais que citation directe aussi. Oui, non, mais le choix du lieu, ça, c'est important. Il y aura reproché souvent et ces magistrats-là et dépayser les bitins. Là, finalement. L'affaire où dit Alex, ça est fait, mais il y a Paris, le 31, Paris, il y a Paris, il y a Paris. Voilà. Voilà. Donc, pour une fois, on a trouvé que ça, tactiquement, ça a bien fait. Voilà, Guyane, bon, déjà, quoi créer, on ambiance, quoi. Un événement. Ben, merci, Marie-Lisa Bernier. Merci, M. Calvert, France Calvert. Merci aussi, France, M. Picor, Pierre-Edouard Picor. Je rappelle, on a dit, puisqu'on ne l'a pas vu aujourd'hui, qu'il est en vente, il est sorti. Toribio Sapoti, match. Balle au centre. Nous commençons ça dimanche soir. Allez, on se retrouve la semaine prochaine. Là, on passe à la partie culturelle et on va parler de Patrick Saint-Éloi. Tout de suite. Je suis bien, bien.
Voilà, donc Patrick Saint-Éloi, parce qu'on reçoit Madame Christine Couchy, bonsoir. Bonsoir. Et qui a écrit ce bouquin qui s'appelle Mon jardin créole, paru aux éditions Nestor. On va parler de Saint-Éloi tout à l'heure. Je dis déjà que Madame Couchy, demain, vous signez votre ouvrage. Oui. C'est où? Donc ça se passera à la librairie Prinlire au Moule. Oui. De 10h à 13h. D'accord, on va en reparler tout à l'heure. Je reçois aussi quelqu'un qu'on connaît déjà, qui est déjà venu ici, le président de l'association DiFamily. Bonsoir. Bonsoir. Gilles Anduze. Donc demain soir, j'en ai invité. Oui, nous n'y avons invité demain. En gros invité même. En belle invité. En belle invité. Jam session en sous-line. Alors expliquez-nous ça, dis-moi. Eh bien, l'association DiFamily qui a organisé effectivement en collaboration avec le Petit New York, donc son restaurant bar. À Gosier. À Gosier, ou à Plage Saint-Félix. Mm-hmm. Nous avons organisé un show live, donc nous avons présenté composition en groupe Codé Potan. Et après show live là, nous avons fait un jam session. Alors Codé Potan, nous voir. Première fois qu'on attend nous là, ça, ouais, ça y est, Codé Potan. Codé Potan, c'est un groupe qui est sorti créé, c'est normal. Qu'on un groupe musique. Un groupe musique à Genebook. Quel type de musique quoi, ben, nous avons joué en musique. D'ailleurs, nous avons un groupe là, c'est Code et Po Kitan. Ouais. Donc c'est tambour, guitare, piano, base là, c'est ça. Ouais. Et nous avons essayé de reprendre. C'est pas un groupe à moderne. Nous avons rapproché de groupe quand même. Quand même. Mais sans, disons, sans groupe à contemporain. D'accord. Nous avons dit ça avant ça. Ouais. Donc ben, nous avons essayé de mettre dans tout ça un message qui est conscient. Et puis justement, nous avons invité tout le monde à venir écouter ce que nous avons fait. Alors ça veut dire que nous avons fait une crise. Nous avons fait du live, comme on va dire. Vous avez dit un jour, l'autre jour, que font 10. Nous avons travaillé pour ça. Nous avons travaillé pour ça. Quel type de répertoire aux autres parce que bon, peut-être qu'on vient écouter ça demain, mais deux monde qui a gardé nous, t'es envie de casser on jam session, parce qu'en général, on a dit jam session avant, c'était pour jazz, mais ça n'a pas de jazz, ça dépend de Goka session, enfin, bah, ça. Ouais. C'est-à-dire que nous avons repris plusieurs styles de musique, ouais. Base, nous c'est Goka, mais nous avons repris soupe, nous avons repris reggae, nous avons repris dancehall, nous avons repris salsa, nous avons repris tout ça. C'est un gène en fait. Hein. Oui, on a pour nous amuser aussi quand même, nous avons repris un qui nous avons danser dans un groupe musique comme ça. Nous avons essayé de faire danser. Nous avons danser aussi. Bon, alors donc, faut bien bamouna ça, c'est le petit New York. Alors, son série, ils ont fait comme ça, ils ont commencé là, ça veut dire qu'ils ont fait d'autres encore. Voilà, c'est-à-dire que là, son premier, un premier coup. Mm-hmm. Bon, évidemment, si ça marchait, ben, nous avons essayé d'organiser ça de façon plus ponctuelle. Ouais. Mais là, pour l'instant, nous avons essayé de voir qui j'ai un public à répondre. Combien de temps ils ont travaillé à groupe là ça? Alors, l'association l'a créé en 2012. Mm-hmm. D'accord, et groupe là lui-même avec ses effectifs là qu'il y a là qui a fait à peu près un an de travail. Nous avons travaillé dans tout type de manifestations. Nous avons eu l'occasion de travailler dans des marchés agriculteurs par exemple, qui a animé des marchés. Nous avons eu l'occasion de travailler dans des restaurants mais aussi dans des salles. Donc nous avons essayé avant tout développer connaissance en nous, développer musique en nous, faire monde connaître ce que nous avons fait. Et comme on va dire aussi ballon. C'est ça. Ouais. Alors moi, radis mon, moi pas écouté, donc pas reconnaît, j'ai pas payé rien. En que c'est voici un peu avancé demain soir pour voir jam session là ça avec Côté Poutane
Et ça a commencé à partir de 9h30, 21h22h. Que Nico Depoutan, après ça, qu'il y a une jam session. Et qu'il y a un mix aussi. Alors, il y a un mix aussi. C'est-à-dire que comme nous avons essayé justement d'aller modernité et tradition, nous, en collaboration avec le petit New York, nous dit que c'était intéressant qu'après, quand même, anti-session de jam, donc c'est-à-dire en bœuf, ça veut dire qu'il y a un bœuf de façon locale, eh bien, nous accorder qu'il y a aussi un petit mix qui a fait pour ces gens qui ont dansé, parce qu'il y a dans Baola ça, j'ai l'habitude des gens qui ont dansé, etc. Ok. Ben, rendez-vous donc Raoudi, samedi 29, au Petit New York, c'est avant Plage à Gouzier, et raconte que les gens qui ont commencé à connaître ça. Alors, nous n'avons pas des petits points verts. Mankouchi, alors pourquoi on regarde ça? C'est parce que les gens qui ont été dernier de Saint-Éloi des pays morts, post-mortem, comme on va dire. D'ailleurs, nous avons un petit extrait en clip qui est dedans, parce que ni, mais c'est surtout le livre là. Alors, Mankouchi, pourquoi vous avez marqué le livre là? Pourquoi avez-vous écrit ce livre? Vous êtes en français et en créole. En créole, faites comme Saint-Éloi. Écrire Vive la Sa pour moi, mon jardin créole, c'était une façon de te rendre hommage à Patrick. Et c'est une façon aussi d'exprimer moi, pour moi, faire ces gens-là comprendre que l'amour a résisté à bien des choses et parfois même des fois à la mort. Donc, de par cela, on sentit que quand t'es brisé, limite en moi, j'étais ces barrières-là et voilà quoi, en osé et en écrit un livre. Alors, en tout cas, est-ce que vous êtes fan de Patrick Saint-Éloi ou vous êtes un fan de Patrick Saint-Éloi? Pas seulement ça. En pas, quoi que c'est fanatique, il y aura crié. Sans pas qu'on ait d'autres qui existent. Très certainement, notre. Il faut trouver notre mot pour ça. Oui, ouais. Dit ça. Même si c'est un malade, il n'y a pas de ça non plus. Mais vous, peut-être que, comme quoi, bon, il y a 20 ans, mot. Nous pouvons réfléchir ça. Alors, quand même, Saint-Éloi, à qui moment vous rencontrez dans la vraie vie? La première fois que j'ai rencontré Patrick, c'était dans les années 1996. J'étais quand jouer au Zénith à Bas-du-Fort. Vous avez déjà aimé la musique avant ça? Bien sûr, bien entendu. Et là, on dit qu'on peut saisir la chance de ça de Everly. Donc, on fait crier et nous parler. Et je de là, ça a fait moins repenser à une parole que Patrick Sulman t'a dit une fois lors d'une interview. Il t'a dit. Il dit qu'il était resté convaincu que les hommes ne peuvent pas toucher les étoiles. Et bien, devant, il était en admiration. Il dit, j'aime là, t'es qu'à flageoler, voilà. Et pour moi, nous tenions un ange qui a marché parmi nous. Qui souvenez-vous qu'on regardait de Saint-Éloi? Adam, il voulait un jour, quoi parler, il dit, il y a des fous, il était aimé manger. Oui, c'est... Ou tu as observé qu'il a mangé. Alors, qui souvenez-vous qu'on regarde au fond? Le souvenir, Adam, il voulait, si ça se vive ensemble, en tant que monde qui aime la musique, il est en tant qu'artiste. Qui j'en lis, tu as senti ça, et qui j'en voulais, tu as senti la relation dans ce tenir? Eh bien, Patrick Saint-Éloi, tout le monde d'accord pour dire ça. Hein. C'était un bouc d'une grande simplicité, un paquet d'humilité. Donc, après, il était qu'à faire quoi, il était qu'à ressentir. Et c'est ça qui était qu'à vraisemblablement plaire moins à Dany, voilà. Donc, dit quand t'es aimé, choisi, non. Tout ça a été lié quand t'es aimé déjà. Alors, c'est pas seulement musique là, il nomme là, mais c'est ensemble là, c'est tout ça, oui. Tout ça qu'il a fait. Nous d'accord pour nous dire que c'était quand même un artiste complet parce que c'est un bouc qui était qu'à chanter la vie. Donc dès qu'il était qu'à toucher un bitin, on passe à pourquoi ça t'est qu'à plaire. Ou quoi raconter, c'est frère ou t'es fait frère qui fait ou découvert un morceau, nous payer passer. Parce que si vous passez que une propre émotion, Johnny me raconte un petit point qui j'en ça fait. Eh bien, en fait, frère, moi récemment, ni à peu près un an. Et ni quelques temps de ça, en tout cas, là, en tout cas, préparer rédaction à livre moi, alors en tout cas, dit frère, moi, qui a écrit, et frère, moi, qui a dit, moi, frère, moi, répondre, moi, est-ce qu'il y a quelque chose, dit, yo, que c'est moi qui apprends vous, Johnny, on dit pas, j'ai occupé, ou pas inquiété pour ça, ça qui est fait. Et il sourit en genre moqueur quand il pas tellement croit moi. Et bien entendu, on est jusqu'au bout. Ça n'a pas été facile, hein. D'ailleurs, en cas, on a remercié les éditions Nestor. Et accompagnez-moi et un grand merci pour ça et la commune du Lamantin aussi notamment Frédéric Caracas ainsi que monsieur le maire José Toribio et notamment là. Beaucoup ouais. D'autres ouais. Alors livre là il est très bien il tient bien écrit à donc vraiment très très bon français enfin bon pas étonné mais enfin quand tu as dit ça
Mais nous avons mis quand même, combien de conseils à Saint-Éloi ouvert sur quoi fait total là? Eh bien, en pas ni la chance de partir dans l'Hexagone et garder des conseils ailleurs. Voilà, mais en qui dit sans réfléchir, sans hésiter, qu'en participer à pratiquement yo tout. Hein. En t'es là, oui, en t'es là, il était faux, dans le moment, il était faux. Ou t'es à Terre de Blues, là, il était Marie Galante? Non. Ou pas pour ça là? Non, non, pas. Ouais. Mais ou t'es Saint-François par contre? Moule. Oui, oui, tout ouais. Partout il était ici, en t'es là déjà. Ouais. Et qui, alors là où t'es quand il Saint-Éloi, qui gens ça te passé? On veut dire, parce qu'on sait des parfois, c'est autiste là, enfin, vous pouvez raconter, on joue à Yvoué, qui nous a la casa, c'est la casa, oui, qui a passé, premier choix là, ou pas y contrer, et deuxième choix là, là où il dit, ah, mais comment faire, ou pas venir vraiment, c'est comme ça t'es passé? Eh bien, toujours dans le respect, en pas qu'à Yvoué, parce qu'en t'es savent qu'il était très occupé par rapport à ces conseils là, notamment qu'il était qu'à Yvoué là, donc en tout cas, reste en retrait, et lui, s'il te voulait, il était un petit moment encore des mois, il était qu'à venir vers moi. Ouais. Et c'est là qu'en t'es vrai, en 2008, si on ne pas tromper moi, pour la dernière fois, il était venu et il était proposé moi d'aller faire un petit tour en loge, il y avait l'après-concert, et il était discuté, et en t'es qu'à ignorer, vraisemblablement, que c'était alors, la toute dernière fois. Justement, on ne peut pas parler de maladie, parce que nous, on était dans un livre qui apparaît particulier, c'est qu'au moment donné, au matin, au bon matin, on peut marcher. Vous dites que vous pratiquez Saint-Éloi, mais vous ne pas ça. Eh bien oui, parce que longtemps nous tous savons en Guadeloupe que tenu certains rumeurs qui étaient courus, si moi, et moi, on tenu déjà du mal à l'époque à gérer tout ça. Donc c'est vrai qu'elle a eu dit moins ça le matin là très tôt, moi pas tellement occupé, moi on continue à vaquer à tibitin quotidien moins. Et puis, c'est vraiment RFO qui a appelé moi et qui a dit moi, Madame Couchy, nous venons pour un reportage. Alors justement, là, en TV, pour une question, là, on voit ça. Pourquoi tu es un RFO qui est ensemble comme ton Saint-Éloisienne? En fait, en tenant en contact pour parler avec eux, moi, j'ai passé à une émission en tant que fan à Patrick, mais Eve Patrick. Donc, ouais. Je t'ai déjà ni coordonné, moi, parle bien de ça. Donc, là, ils ont crié moi. Je dis, moi, je suis venu à casa. Donc, moi, tout étonné parce que vraiment, pas j'ai quoi que ça te peut être vrai, jour là, ça. Parce qu'on pensait que tu étais malade. On te préfère ignorer ça, même si. Je te dis ça quand même, parce que nous, le monde, ils savent ça. Attends, plein bite, mais attends, envie quoi, sans envie quoi. Donc, voilà quoi. Ça, c'est moi. On rêve. On nous dit ça comme ça. Donc, là, ils apprennent moins ça. Voilà pourquoi on le monde vraiment, en l'état là, ils vraiment là, la télé joue là, ça. Ouais, parce qu'en fait, là, ils apprennent moins ça, ils sont déjà si pas loin d'être arrivés et effondrés moins. Voilà, ouais. En mal vivre ça. Ouais. Et quand il a alors, enfin, on pas même poser la question, on dit tout dit ça, Saint-Éloi, on va imaginer. Bien sûr. Oh. On y stocké de plusieurs façons. C'est-à-dire, on va dire tout. Eh bien, on a ici disque dur, on a ici clé USB, on a décédé en double, en triple, il ne faut pas disparaître, il ne faut pas rayer, ça a perturbé moins, ça a. Voilà quoi, complètement désarmé, on n'a pas trouvé, ça a rendu moins mal. Trois morceaux, restez-nous deux minutes pour nous bout. Si vous tenez trois morceaux à Saint-Éloi, vous avez parti, comme on va dire, si on est le deux, tout bien. Tout ça, on est là qu'à disparaître, vous avez gardé trois morceaux. Quels sont les trois morceaux que vous avez gardés? Et non, on te dit ou pas mandant ça, ou que font souffert, on aime yo toutes, donc on peut pas choisir. Pas les choisir. Non, depuis t'es qu'à poser voix, on t'es qu'à adhérer déjà. Johnny t'es qu'à adhérer. Oui, Monsieur Johnny t'es qu'à adhérer. Ouais, on désire. Crier. Et troisième là. Menez-moi. On te sort. Ouvre, on te m'a dit quand même. On dit quand même. En tout cas, mon couchi, quand on est aussi au Devignan. C'est moi qui carrément aussi. Encore rappeler les gens qui prennent les livres là. Et s'ils ont aimé Saint-Éloi, même s'ils n'ont pas aimé, ils ont payé acheter le livre là. Ça, sincèrement, après nos butins, on n'a pas imaginé au monde des pays, ils ont passion, ils ont passion. Passion, sincérité. Là, c'est quoi? Passion, sincérité, émotion. Émotion. Aïe, aïe, voilà. Vous connaissez le son, ou bien. Et oui. Donc, il tenait une belle passion pour Saint-Éloi. Après, il est toujours. Il traduit ça dans le livre. Et le livre, ça, vous voyez, vous pouvez acheter. Et demain, il va signer. Dernier mot, Gilles, pour rappeler. Eh bien, quand inviter tout le monde à venir nous demain soir. Neve de soir, Gosier, Saint-Félix. Voilà. Gosier, Saint-Félix. À partir de? À partir de Neve de soir. Qui ni boit, qui ni mange. Qui ni boit, qui ni mange. Bon, eh ben, nous quoi prendre un mot, nous quoi prendre un rendez-vous. Moi, Kevin.
Oui, ou Kevin aussi? Oui, oui. Ben, invitez-moi, mais Kevin quand même. Ben, voilà ça. Ok. Voilà. Eh bien, voilà, l'émission est terminée sur Chapoudou. Comme d'habitude, nous allons retrouver nous semaine prochaine. S'ils ont raté, ben, ils ont occupé pour un petit morceau dimanche. Et suite à l'émission-là, ben, il y a www.caribcreolenews.com. Comme d'habitude, c'est dans la presse. Salut à toute l'équipe qui m'aide à travailler sur cette émission, particulièrement Karen, qui a porté bon manœuvre. Et bon réalisateur-là. Salut, on se retrouve vendredi prochain.